Salut les pélos, c'est Ikaïs et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo double gameplay en compagnie de Captain Snow. Yo les matelots, comment ça va? Quand même matelot, t'as compris, Captain Matelot, j'ai envie de le frapper ce pélos, c'est un truc de dingue, bref. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un Dokkan Event, le Golden Freezer, la vengeance de l'empereur doré. Yes. Donc on va le taper, Captain Snow avec sa team Buan. Et moi-même avec ma team SV. Donc je laisse présenter ta team. Donc moi je suis parti sur une double boîte avec Bucolo, Fusion C13, Cell Intel, le Bardock du TB et le petit Freezer à farmer dans l'event Freezer 100%. D'accord, donc moi je pars avec mon SV, mon Super Vegeto Spedis, mon Golden Freezer que j'ai eu ce matin, donc je suis au top de ma vie. Donc un bon bloqueur tranquille ou normal axe. Goku SCJ3, le Goku Divin. Le Gohan ultime qui va stun en espérant 20% de chance de stun. Le Murasaki, le ninja de la muerte. Et un SV en ami, en objet, Senzu, Dende, Fantôme et Whis. On peut lancer, go start. C'est parti. Donc on vous explique, c'est le double gameplay, ce n'est pas un défi. Lui il montre comment il tape avec sa team intelligence. Et moi-même avec ma team agi. Surtout que moi c'est SV, lui c'est Buan. Ouais. T'as compris, ben non, le petit duel, tu vois, tranquille. Les mecs, à savoir qu'en ce moment, il y a un XP x3 sur les events aussi. Hein. Donc, ouais. N'hésitez pas à farmer les events maintenant. Parce qu'on gagne pas mal d'XP. Hein. Hop là. Et ouais. Bon. Allez, tac. T'as pris quoi comme chemin? Moi, j'ai pris le ki. Ouais, pareil, le ki, pareil. Kiki. Ah putain, j'ai bouffé la feuille, j'aurais pas dû faire ça. Ah, t'as fait de la merde déjà. Et ça commence. Ouais. Ça commence. Ça commence, ça commence. Bon allez, c'est parti. Donc, comme vous le savez, c'est un événement 50 ACTI, donc il a plusieurs phases. Il a des phases avec ses sbires, après il a une phase où il se transforme en puissance, après il a une phase agi, après il a une phase tech, et pour finir, une phase agi, vous verrez très bien dans la vidéo. Ouais. Donc là, c'est le pire roulement possible. Pas ouf. Ouais. T'as eu quoi comme roulement? C'est un... Et pas SV. C'est-à-dire que SV va finir dans les... Non, là, il n'y a pas de SV. Bah moi, ça va. Moi, j'ai eu Bois de Boucolo sur le même tour. Bon, voilà. On peut avoir mieux. On peut avoir mieux, comme tu dis. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Par contre, les premiers sont chiants, toujours envoyer des SP. Là, j'ai pris déjà une SP, déjà. Ah ouais? Ouais. Ils sont bien, bien casse-couilles. Hein. Bah allez, on va faire ça comme ça. Bon, là on va voir, donc là il a Freezer intelligence avec ses petits sbires, puissance tech et sorbet. Sorbet, tuez-le parce qu'il bloque l'attaque spé quand il part en spé. Ouais, c'est bien chiant ça par contre. Et quoi d'autre encore? Et puis voilà quoi. Donc tranquille, normal axe là, ça suit son cours. Bah ouais, pour toi, au début c'est pas très difficile. Les trois premières phases sont assez simples. Les trois premières phases, ça va, Imhotep. Et après, il y a le tech qui arrive. Après, c'est très très compliqué. Hein. Je me suis quand même fait manger deux spé, je vais devoir déjà utiliser un Senzu. Ah oui, dur. Ah ouais, franchement, là, c'est le pire roulement qui pouvait m'arriver. Ils sont quoi. Bien énervés, là. C'est la pire chose. On va faire ça comme ça. On va essayer de tuer Sorbet, ou le stun au moins. On va voir ce que ça va donner. Là. Va falloir donner le maximum de vous-même là. Allez SV, Gohan Mystique là. Gohan Ultime. Ah, le truc que j'aime pas moi sur l'ultimagilité, c'est vraiment leur stunner. Hein. Stunner à 20%. Même le Gohan Ultime, ok, il tape un peu et tout ça, mais dommage qu'il a pas un petit stun un peu plus important. Ouais, j'avoue, c'est pas top tout ça, c'est pas top. Et ton petit Murasaki, qu'est-ce que t'en penses? Ça va pas du tout, Murasaki, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il a? Il va pas bien. Il va pas bien? Non. Il va pas bien du tout. Donc là, pas mal ça. C'est la petite contre-attaque de SV qui passe bien. Tranquille, normal axe. On va faire ça comme ça, mais il va servir à rien ce Golden Freezer à ce tour-ci. Parce qu'on vous explique, Golden Freezer, il bloque les attaques. Il réduit les attaques de 80% si vos PV sont supérieurs à 50%. C'est ça. Ça veut dire que si jamais là j'utilise Asenzu, ça ne va pas s'appliquer. Et ouais, Penlan. Et ouais. Et ouais, Penlan, c'est n'importe quoi, Penlan. Bim. Là, normalement, je les ai tués. Je dis bien normalement. Moi, c'est assez long. Avec Buan, le truc est bien, tu meurs pas.
Mais deux fois les events sont un poil plus longs qu'avec les autres God tier. Pourquoi là t'es toujours contre la phase putain je l'ai pas tué quoi. De quoi t'es mort de rire. T'es au puissance là déjà? Non j'ai pas, je suis pas au puissance là. Ah. Toi t'es où? Là je vais bientôt être au puissance. D'accord, là je suis au puissance maintenant. Là j'ai tué la team. Voilà, passé, on s'en fout. Là c'est sa phase puissance. Normalement c'est ma phase la plus rapide. Je dis bien normalement. Ouais. En fait si tu arrives à contrer 2-3 fois sur lui, bon voilà, c'est cadeau. Bon moi oh putain mais je prends une spé quand même à la fin quand même. C'est ouf le nombre de spé qu'on prend sur de Steven. Je prends un Senzu, obligé. T'en as déjà utilisé deux là? Voilà. Non j'en ai utilisé un. Ah. Ça va, tu vois. Ouais. Imhotep. Mais bon. Il faut économiser parce que le tech arrive. Oh putain mais il part en spé sur Végéto quoi. Oh, putain, ça c'est dommage ça. C'est oufissime, c'est grave. C'est grave. Donc ouais, Golden Freezer, il est un peu chiant quand même comme event, mais vous allez voir que il est pas si dur. On va dire il est pas si dur que ça. Voilà, il est pas très compliqué. Faut juste accrocher et rester concentré. Mais c'est vrai qu'il c'est ouf le nombre de spé qu'il envoie. Hein. À chaque fois, tout premier tour, hein, tu peux même pas bloquer la spé parce que c'est la première attaque qu'il t'envoie en fait. Donc c'est casse-couille. Ouais. Allez, c'est parti. Par pas en spé, Goku. Ça fait rien. Allez Bardock, comme ça tu vas bloquer sa SP, comme ça je vais arrêter d'en prendre. Ça va être intéressant. J'aurais pas dû faire ça. Ah là 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 là, ce déficit total, dommage. Là j'ai mal de... Ah oh, bah Quoique non. Non, c'est bien tombé. Là j'ai eu de la chance au niveau des sphères de ki. C'était pas mal. Donc là on va essayer de le finir, SV... Comme ça. C'est passé, il est... De quoi? Mais attends... Ah mais il est stun, j'avais pas vu. Nice. La stun Gohan, non, mais... 20%. Bien joué Gohan. J'avais même pas vu. Peut-être pour une fois qu'il veut... En plus là, ouais. Contre le puissance tu veux pas qu'il stun. Ça a rien. Grave, ça a rien. Là, c'est le AJ. Contre le tech, ton Gohan il va mettre aucun stun. Là c'est le AJ. Ouais, contre le tech, rien qui passe. Toujours quand on veut pas qu'il stun. Ah Gohan. Donc là on passe à sa phase AJ. On met le Golden devant pour tanker ses deux attaques. Le SV ça ne fait rien, c'est une counter pas. Mais le but c'est de se ramasser le moins de dégâts possible. Mine de rien il fait mal hein. Il fait mal. Ouais. Faut pas... En plus ça il part en SP. Heureusement que j'ai pas mis le SV devant. Il part en SP donc là il m'enlève 2400 propre. Golden Freezer je t'aime. Oh, tu prends tellement 0 dégâts, je c'est ouf. Je t'aime Golden Freezer, merci Pello. Vivement que je puisse le dokan et... Moi ça, et puis voilà quoi. 35 là, médailles ça, c'est pour un perso aussi magnifique. Bon. C'est cool. Ouais, c'est cool. En plus, là, il y a l'XP x3, donc on va monter rapidement le level, on va pouvoir enchaîner les events. Regarde, 24 000 il m'a enlevé sur Gohan, donc c'est tendu de ouf. Le ninja, il va partir en spé, il va bloquer l'attaque spé. Ça c'est propre. SV, qui part pas en spé, c'est pas propre. Mais au moins Goku il part en SP. Là s'il m'attaque il va m'enlever 24 000. Ah je suis bloqué, ouais. C'est cool. Je sais pas Pello. Moi pour Steven je conseille quand même la team Buan ou Gotenks parce que les bloqueurs de SP sont quand même plus forts. Parce que Murasaki le problème c'est que il y a des tours où t'arriveras pas à le faire partir en SP en vrai. Ah non. Ça c'est un gros problème en soi. Bah non, au niveau des liens, c'est pas top. Hein. Mm. Au niveau des liens, clairement, c'est vraiment pas top et t'as pas d'autre solution. Mm. Alors que les Bardock dans la team... Oh, putain, par contre, je pars en Dokkan mode avec... Ah, t'es déjà en Dokkan mode. Mais t'es contre qui, là? T'es contre la phase AJ? Ouais. Mais je me suis trompé, j'ai oublié que... J'avais pas vu que je partais en Dokkan mode, donc je vais te taper avec Bukolo à la phase de Buen. J'aurais pu finir à la phase AJ maintenant, mais non. Je sais pas comment je vais faire. Oui, 100%. 2. 4, 6. C'est parti. Allez, tape-moi bien là. Je sais pas, il tape combien. Je peux pas faire ça parce que Golden, après, il va venir trop tard pour contre le tech. Et le but du tech, c'est de tanker un maximum. Ah, il te le faut au premier tour. Hein, ouais, limite, hein. Ouais, c'est pour ça que là, ça va être très compliqué. Bon, tant pis. Les EV, faut le garder aussi, il faut tanker. Ça fait rien. On va faire ça comme ça et puis c'est tout. Et puis c'est tout, ça fait rien. Golden Freezer il va me servir à rien ce tour-ci. Ça ne fait rien.
Mais là, faut lui faire un maximum de dégâts pour passer à la phase suivante. La phase suivante, c'est la phase tech. Ah. Et c'est dans la phase tech où ça va te chaud patate. Ça va te chaud patate. Allez, SV, montre-nous tes fesses. Allez, SV, montre-nous ton. Voilà, fais là, c'est surtout Golden qu'il faut qu'il monte son cul là. Ouais. Allez, Golden. Ouais, là, la phase tech, pour moi, là, avec ma team agile, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, Pélo. Là, moi, je pense que vraiment, pour les team agile, Golden, il le faut. Hein. Pour la phase tech. Aïe, 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 ce qui va se passer. Ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Donc, là, c'est ok. Là, ok. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Et là, ça va pas du tout, là. Là, ça va pas du tout. J'ai 77 000. Sachant que... il va me faire une spé à tout moment. Ouais. Cet enfoiré. En vrai, il envoie facilement une spé par tour, hein, quand elle est pas bloquée. Hein. C'est ouf. Hein. Donc là, je pourrais soit utiliser un Whis. Déjà, je vais utiliser un Senzu. Comme ça, mon Golden Freezer, il va apparaître et il va pouvoir tanker. Il va pouvoir tanker tranquillou. Très bien. Et on va utiliser un petit Whis au cas où. Voilà. C'est vraiment au cas où, hein. C'est pour la vidéo, c'est pour éviter de whiz. Bon, moi je suis à la fast tech là, je viens d'arriver. Moi aussi je viens d'arriver à la fast tech, on est en même temps. Nice. Mais la fast tech, on sait tous que tu vas la terminer en 2-2. Moi j'ai... Bah oui. C'est plus simple, on va dire. Un poil plus simple. Un bon poil alors. Ah, un très bon poil. Ouais. Oui, on voit. Donc là il va contrer vu que le ninja a bloqué l'attaque spé. Ah, c'est très ça. Important à hein, ce genre de petit personnage pour regarder un peu les cartes, comment qu'elles font. Et le problème en agilité, il n'y a que lui actuellement. Le dragon est pas encore sorti. Il y aura un dragon quand il y aura Omega qui est un poil meilleur que le ninja Murasaki parce qu'il a plus de liens. Ouais. Si je dis pas de bêtises, la vitesse époustouflante, non? Pour un dragon? Ouais, le dragon a été assez puissant. Oh, il attaque 4 fois. OSV va counter sur counter sur counter. Ça, c'est bien. Un bon tour. Mais par contre, il part pas en spé si. Ouais, de toute façon, dans tous les cas, il part pas en spé. Ouais. On s'en fout. Là, il va faire le café. Là, il va faire le taf. Là, c'est un bon tour. Là, là il va faire le taf. Là, c'est à moi de le cogner. Il va voir ce qui va se passer. 2, 4, 5. Ah oui, et pour les joueurs de la Zap, il faut savoir que le critique il proc sur la counter attaque de SV. Donc c'est peut-être intéressant de monter un SV ou un SVB en critique parce que les dégâts de SV sont plus importants sur les counters. Donc si tu peux mettre des crits sur tes counters, bah là c'est cadeau. Hein. Voilà, c'est cadeau. Pour les joueurs zap. Hop là, ça on fait ça comme ça. Ok, c'est bon. Donc là on tank. Prochain tour. Oh, putain, il part pas en SP. Vas-y. Ça c'est bon ça. ASV et Golden Freezer dans la même team. Ça fait du bien ça. Ça fait plaisir. Ça fait pas plaisir. Là, je suis arrivé à la phase où le tech me tape plus du tout. Hein. Il s'est pris double debuff d'affilée de Buan. Ouais, il me met du 2000 de dégâts. Moi ça va pas du tout par contre. Ah. Ah là ouais, là ça va. Là je suis en train de. Mauvaise phase. 2, 4, 5. Il vaut mieux que mon Murasaki parte en spé plutôt que Goku divin. Ah oui, son... oui, largement. Ouais. Tac, tac, tac. Normalement, là, il n'y a pas de Whis. Là, il attaque, il va me faire tant de dégâts. Au prochain tour, Golden Freezer ne pourra pas tank parce que là, j'ai 110 000. Il va m'attaquer là, il s'arrêtera 20 000, ça fait 40 000. Il me fait une spé, ça va faire 60 000, ça va me faire 100 000. Juste. Allez, on y croit. Ça fait rien. On whiz sinon. Sinon, on whiz. Y'a pas de souci. Allez, on y croit. Allez, SV, montre-nous. TFS. C'est bon, il part pas en SP sur Végéto. Donc ça, c'est bon. Et là, mode de canne pour Super Végéto. Nice ou. Allez, s'il te plaît, Super Végéto. Fais-moi plaisir. Bon, là, j'ai fini de tech là. Bientôt. Il manque juste une SP. Voilà, c'est parfait. Et bim. Bon, maintenant on passe à la phase. Moi je passe à la dernière phase. Donc en gros, la dernière phase, le boss compte jusqu'à 0. Il compte de 3 jusqu'à 0. Et à 0, il vous envoie une patate. Il faut savoir que cette patate, si vous bloquez l'aspect du perso, il va recommencer son compteur. En fait, il va vous mettre une petite claque et il va recommencer le compteur. Donc en soi, le dernier boss, si vous avez un bloqueur de SP, bon, c'est facile.
Voyons voir. Oh, putain. Ah là, oh, l'appel OSV lui a enlevé deux barres de vie en mode Dokkan. Pas mal. Aïe, putain. Ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Ça fait pas plaisir. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Si, c'est bon. Je pensais qu'il partait pas en SP, mais j'ai pas vu les sphères de clé rouge en fait. Ah. Donc SV part en SP. Là quand même, là tu m'as mis. T'es déjà la phase agie, donc toi t'as déjà terminé. Bah là, je vais peut-être montrer. Je vais montrer le truc que j'ai dit tout à l'heure. Pour, ouais. Comme quoi. On bloquer l'attaque SP. Comme quoi on peut bloquer l'attaque SP et le compteur redémarre à zéro. Mais je crois que mon. Ah, il va peut-être le tuer, mon. Mon Bardock va peut-être le tuer. Ça me fait au pire, chier. Vous utilisez un fantôme dans ces cas-là ou un petit baba. Oui, un baba, un fantôme, un stun. Ça marche pour tout. Ah là, n'hésitez pas à utiliser vos objets au cas où. Franchement, c'est vraiment. Mourir à la fin. Mourir à la fin, ça fait. Ça serait... Ah voilà. Donc là, je l'ai pas tué. Et gros, il lui reste 5k PV. Donc je l'ai pas tué. Donc là, il va faire 0, mais il va juste me mettre une claque. Donc voilà, il m'a mis 3000 PV. Et il va recommencer son compte. Sauf qu'il va mourir avant. Hop là, on va le tuer avec, avec le petit freezer. Allez là, faites le café là, c'est quoi ça? Il reste plus rien comme. Il lui reste plus rien comme poids de vie, il lui reste juste une barre de vie. Allez SV, allez SV, cogne-le, cogne-le. Voilà, c'est bon, toi qui pars pas en SP contre SV, ça c'est propre. Ouais, fini. Joli pélo. Donc au final, le double gameplay, une team intelligence, une team agie. Vous pouvez faire les comparaisons, regarder un petit peu comment ça se passe, que c'est faisable, etc. Donc il n'y a pas de problème quoi. L'avantage de la team intel, c'est que tu n'utilises pas d'objet en fait presque. J'ai utilisé quoi, un seul jus? Ah, ça coûte pas trop cher. Ouais, la phase agie, ouais. Ouais, on va bloquer son attaque SP. Et là, j'ai, pour vous dire, j'ai gagné 53k. Je sais pas s'il y a double XP en fait, l'XP qui marche sur les Javen. Pire, je vais aller vérifier, au cas où si on a dit des bêtises. C'est pas au pire, Pelo, j'ai. C'est bon, j'ai un fantôme, je vais pas bloquer son attaque SP. Si c'est marqué, je vais le regretter de ce que j'ai. Donc, il y a bien le x3 sur les Javen. Donc, n'hésitez pas à farmer, hein. On le voit marqué en bas. Y a Kaïs, il a eu le Golden Agilité. Ouais. Et moi, j'ai eu le petit Golden. Ah, je vais le montrer. J'ai eu le Tech. Pour la Team Tech, c'est juste parfait. Joli, Pelo, joli. Et franchement, j'ai eu la chance sur ce coup-là. Je Dokkan maintenant ou pas? Dokkan-le, Pelo. Fais-toi plaisir. En attendant que je termine mon petit combat, là, il a la moitié de sa vie, le AJ. Et n'oublie pas la single du désespoir, Pelo. Ah oui, tu m'accompagnes pour la single du désespoir. Ouh, le petit Golden. Ah, il passe à diminuer fortement la def. Dégâts immenses, 100% de stats pour tous les techs. C'est terminé. Oh là là, il est tellement monstrueux. C'est terminé. GG, mec. Ça, c'est pas mal. Ouais, non, en vrai, t'as. Il vient de taper la SV. Vertical. Tu sais, pour la team magie qui combat quand même assez longtemps comme le type tech, tu mets pas tant de temps que ça par rapport à la team intel, t'as vu quoi? Ouais, mais je vois en gros 2-3 tours, 3-4 tours à peu près, ouais, 3 tours par là. Après, ça dépend vraiment comment tu réfléchis par rapport à tes sphères de kiff. Franchement, faut faire attention, faut être vigilant. Tant que vous avez un bloqueur, vous avez différentes. Faut avoir les persos. Ouais. Vous pouvez vous inspirer, mais. Il y a les incontournables, hein, de toute façon, vous savez tous. Donc, c'est parti pour la single du désespoir, t'es prêt ou quoi? Attends, donc on clique dessus. On clique sur invocation 5 DS en même temps. Ok. Et on commente l'animation qu'on a chacun de notre côté, t'es prêt ou quoi? Donc, single du désespoir, ça c'est la petite touche perso du double gameplay. 1, 2, 3, go. Go. Allez, invocation. Hop là, et j'ai. 1, 2, 3, 4. 4 capsules. Satan à droite. 4 capsules. Tu ne te transformes pas. Et moi, il se transforme pas. Ah, on va voir un vieux R. J'ai eu Bulma, Kisten. Oh là là, j'ai eu un SR, j'ai eu Bozak. Donc moi, ça me va parce que je suis en train de monter sa SP en ce moment. Bah moi là, je vais monter l'aspect de ma Bulma SP10.
Donc voilà, bon, bah, on n'a pas eu la même chance hein, qu'on a eu au dernier double gameplay, hein, j'ai envie de dire. Oui, mais dernier double gameplay, après, on a eu après, Janemba. On l'a eu avant la vidéo. T'as eu Golden Agi, j'ai eu Golden Tech. On l'a eu avant la Ouais. vidéo en soi. C'est ça. Mais donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. J'étais avec Captain Snow. Donc tout est dans la description. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. abonnez-vous. Venez nous rejoindre. Abonnez-vous, Abonnez-vous. abonnez-vous. Et puis quoi d'autre? T'as quelque chose à ajouter ou quoi? Bah, abonnez-vous. Bah voilà, bah si jamais ça vous a plu, lâchez un Non, maximum mais de pouces bleus n'hésitez pas à et nous puis rejoindre partagez. en live. Il y a Ouais. la page Facebook où on met pas mal d'infos. Donc n'hésitez pas C'est à ça. rejoindre la HKS Voilà, tout ça. et à nous Et ce sera supporter là. pendant les TB. C'est ça, et à nous supporter pendant la TB, comme histoire de nous À remonter le moral, et nous on vous remonte porter. le moral, y a pas de souci. Donc voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis ciao! Passez bonne soirée, ciao tout le monde. Bye.